Silence. 3, 2, 1, quand vous voulez. Aïssatou Tunkara. Ah, c'est parti. Charlotte Bilbo. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Sinon on sera derrière. Vous me sentirez poussé. Tout va bien? Toujours. Bonjour. 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 D'abord, monsieur le président de la République, c'est un honneur de vous recevoir à Carrefour. On connaît votre attachement pour le sport en général. Je sais que vous me parlez souvent de ces jeunes filles, vous suivez les matchs amicaux, cette compétition. Je peux vous affirmer, regardez-les, c'est des jeunes femmes extrêmement motivées, qui travaillent sérieusement, comme les garçons. Je suis persuadé que cette année, parce que c'est chez nous, ça peut déclencher quelque chose d'unique. Mais il y a une chose que je vous demande. C'est, au thermomètre de l'envie, de jamais avoir une seule équipe devant vous. C'est vous qui devez avoir le plus envie de la dévorer. Si vous n'avez pas peur, et que vous avez plus envie, compte tenu de votre préparation, de la cohésion, vous allez la gagner. Alors je compte sur vous. En avant. Merci. Toute l'équipe de France, voilà, on sera à 200% pour rendre fière déjà la France. Et puis on ira jusqu'au bout tous ensemble. Ah, merci beaucoup. Dédicacé par chacune. Ne lâchez rien. On sera derrière vous. Merci beaucoup. Hein. Bon mondial. À vous de jouer. On sera derrière vous. À vendredi. C'est important que le président de la République vienne rendre une visite aux jeunes femmes qui ont été très touchées, d'abord de son discours, de sa présence. On voit bien qu'il aime le foot, qu'il aime le sport et qu'il sait parler aux jeunes. Donc c'était vraiment un bon moment. Bien joué Amandine. Ouais, j'ai. On compte sur vous pour mettre l'ambiance. Bon match.